dans notre émission, qui va s'intéresser à la mythologie grecque. Alors ici, quelques maquettes, je vais d'abord commencer par vous parler de Méduse. Mais qui est Méduse? Méduse est une déesse sur qui Athéna a jeté une malédiction, car Méduse fricotait avec Poséidon, dieu des mers, et donc sa malédiction, c'est d'être laide et de changer en pierre chaque homme qu'elle croise. Ah, et en parlant de Poséidon, voici ses frères. Hadès, dieu des enfers, et Zeus, dieu suprême. Mais qui est Athéna? Athéna est la déesse de la guerre et de la sagesse. Ah oui, une déesse comme Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Oui, avec son fils Cupidon. Et j'ai déjà entendu parler d'Achille, mais je ne le vois pas. C'est parce que Achille est un demi-dieu et donc je ne l'ai pas représenté parce qu'ici ils ne sont que des dieux, enfin certains dieux. Tout petit, sa mère l'a trempé par le talon dans le Lynx, une rivière qui rend invulnérable. Seul son talon est resté vulnérable, d'où le proverbe « c'est ton talon d'Achille, c'est ton point faible ». Ah d'accord. Aussi le premier écrivain ayant édité des livres qui sont l'Odyssée et l'Iliade, c'est Homère. Homer Simpson? Mais non, Homer, un écrivain grec du 8e siècle. Mais oui, je sais, je plaisantais. Bon, sur ce, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout s'explique. Bonne soirée à toutes et à tous. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.